pas YouTube, je suis Suzuki et je suis super content de vous retrouver pour un petit let's play sur Soul Calibur 6 parce que j'ai fait un let's play, enfin pas un let's play, j'ai fait un live sur la version Xbox One S d'ailleurs du jeu hier soir tout simplement, qui s'est bien passé, mais du coup comme c'est un live la qualité de l'image elle est pas super extraordinaire et comme j'avais envie de tester le jeu sur PS4 pour voir si s'il est meilleur sur PS4 en fait tout simplement hein, parce qu'à la version Xbox One sur certaines ultis j'ai remarqué qu'il y avait un peu de flou. J'ai l'impression que la version Xbox One S utilise une résolution dynamique et du coup sur certains ultis ou certains plans c'est un peu mou au niveau de l'image et je me demandais si ça faisait la même chose sur PS4. Par contre ce que je constate c'est que d'ailleurs ça fait déjà deux fois que je recommence la vidéo. C'est que sur la version PS4, moi ça prend un temps fou pour trouver un adversaire. Alors que la version Xbox One, je trouve un adversaire presque instantanément. Vous pouvez le voir dans le live. J'ai aussi à ce niveau. Du coup, je vous dis que le jeu sera le 19 octobre prochain sur PS4 et Xbox One. Je souhaite vous dire. Alors, on a un adversaire qui arrive. On va pouvoir jouer. J'aime beaucoup en tout cas le jeu. Ils ont redessiné tous les personnages. Ah non, il y a aussi le dressing. Hein. Ça me semble quand même être un peu moins prononcé. Peut-être qu'il y a une version 900p et l'autre en 1080p. De toutes les façons, moi j'ai mes petits cartes sur PS4. Je vous laisse deviner qu'évidemment la version de la PS4. Ok, let's do this. C'est parti. J'espère que la connexion sera pas trop pourrie. Car je ne pas les connexions quand même. C'est toujours aussi difficile à jouer. Et le jeu est toujours aussi chiant de la partie. Je déteste Volvo, c'est un des personnages contre lesquels j'arrive pas à jouer. Oh, il me fout les adversaires, c'est tellement trop beau. Il me reboule d'un seul adversaire pour ça. Dans tes fesses à Volvo. Stand, fight to your last breath. Alors on retrouve vraiment une sensation qui est prenée sur la figure. C'est de charger une barre du tout. On le tire sur les fesses. Déteste ce mec, il est vraiment. Putain, t'as la putain de contre son truc. Je peux pas me faire ça, je suis pas fin du con. Ah là, ouais, dans ta gueule. C'est un contre son attaque spéciale. Du coup, je l'ai utilisé pour rien. Voilà. Alors, pour aller plus vite, normalement, on peut faire directement demander une revanche. Et là, je vais arrêter le combat. Quand même changer de personnage, hein. Partie classée. Changer de personnage. Nitsuri. Qu'est-ce qu'on n'a pas joué avec Kilik? Ça fait longtemps qu'on n'a pas avec Kilik. C'est pas le mec de The Witcher 3. Si, il est vrai, Gérald, c'est même pas un perso caché en fait. Gérald de The Witcher 3. Ah bien pour trouver un adversaire assez vite, mais je sais que ce sera pas le cas, donc on va patienter. Ah bien parce que le petit indice c'est que quand le fond d'écran commence à se noircir, c'est-à-dire qu'on va trouver un adversaire. Ah c'est pas le cas. J'aurais aussi aimé, je sais pas si vous faire ça dans la version complète, mais ça aurait été cool que pendant les chargements on est... Ah bah ça c'est peut-être le premier combat.
t'arrêtes, t'as pas foutu de dire que je te baisser les critères de recherche. J'ai mis même des gens qu'on déconnecte tout pourri, je veux bien te voir avec eux. Ah, il est bien modélisé ce général, hein. Je pense que sur Xbox One SX, pardon, Xbox One SX, c'est your power and reach for victory. Ah bah c'est sur ce, c'est sur le set. Who the hell are you? Are you sure? You asked for it. Battle one. Fight. Les jeux vidéo, pas. L'interface pour sélectionner les combattants en mode online soit un peu moins austère parce que c'est qu'un détail, hein. L'armée a tout à l'heure, peut-être c'est pour la bêta seulement, je sais pas. En même temps, ça m'étonnerait, je pense vraiment ça comme ça. Parce que là, toute la bêta, il y a déjà les menus pour le mode d'histoire et tout qui sont présents. Donc, j'ai l'impression que c'est juste que ce sera comme ça. Je trouve pas ça très pratique. Souvent j'aime bien jouer. Ah oui, en fait on est en ligne, donc peut-être que tu vas jouer plus avec le perso que tu maîtrises, sur la télé en ligne tranquille. Donc il y a moyen que tu joues avec les deux. Plus souvent avec le perso que tu maîtrises. Donc, du coup il y a moyen que tu switches pas souvent et que tu vas juste faire match suivant à la suite. J'ai pu commencer dans Street Fighter 5, ça y est, enfin j'ai pas joué à Street Fighter 5. Il me semble. Sélectionne ton combattant, tu vas aller prendre sélection du combattant, et après t'as le match qui arrive, sinon ça serait trop facile, tu pourrais prendre le compteur. Et bien sûr qu'il en passe, je crois que ça va être un truc, ouais. J'ai senti un petit changement de luminosité. Ok.
J'ai cru que j'avais pris Sophie Tcha, je suis. Je l'apprends vraiment souvent. En fait, dans le lag, j'ai pris tous les personnages qui existent dans le jeu. Du coup, c'est que je suis en train de faire cette vidéo. Guide me. J'ai pris Sophie Tcha. Are you sure? You asked for it. Niveau 2. Waouh. Elle a deux super attaques spéciales. Hein. Et ce combat est super intéressant parce que justement il a utilisé les attaques spéciales. Ah putain, j'essaie de faire attaque spéciale aussi. Défonce l'attaque spéciale. Ah putain, j'ai raté mon attaque spéciale moi. Ah putain, elle est en train de me défoncer. Allez, glisse. Enfin voilà. C'était mon petit let's play sur Soul Calibur 6. Moi, sur ce, je vais vous laisser. J'ai ma preview à terminer. Donc, dès que j'ai terminé, je crois que je vais y retourner. Mais excellent, excellent, excellent jeu. Allez, à tous les otaku. Et à bientôt sur otakugame.fr. Ciao, ciao!